Lactarius humidus, lactaire humide, non comestible. Chapeau peu charnu, convexe, puis devenant plus ou moins plat. Et enfin se creusant légèrement. La cuticule est lisse et grasse, ou visqueuse au toucher. Pas ou pesonnée. De couleur beige crème, à beige lilassin, à reflet rose grisâtre ou rosâtre pâle. Devenant plus sombre par temps humide, brun rosâtre sale à reflet gris verdâtre, en commençant par le centre. La marge est légèrement enroulée jeune. Comme vous le constatez, il se teinte de rosâtre violacé aux blessures ou au toucher. Lame subdécurrente, serrée et assez fine, intercalée de lamellules. Ces lames sont de couleur blanchâtre, puis beige ocracé pâle, se tachant de violacé lilassin au froissement. Mais après quelques minutes, les lames blessées deviennent violacées vineuses. Pied cylindrique. Légèrement ruguleux, creux, paraissant gras ou visqueux au toucher. De couleur blanchâtre crème à beige ocracé et se tachant également de violacé lilassin au toucher ou aux blessures. La chair est blanchâtre, puis prend une teinte comme le reste du champignon, violacé lilassin, à la coupe et au contact, ou tout simplement en séchant. Le lait s'écoulant des entailles est assez abondant, d'abord blanc, puis devenant violacé pâle en séchant. Odeur faiblement fruitée. Saveur de la chair et du lait légèrement amère et plus ou moins piquante. Saison du milieu de l'été et jusqu'à la fin de l'automne. Habitat, essentiellement dans les forêts de feuillus, mais aussi de conifères, comme les épicéas, ou encore les bois mixtes. Plus fréquent en moyenne altitude qu'en plaine. Appréciant les lieux humides et acides. Confusion possible avec Lactarius luridus, qui est toutefois de couleur plus sombre, au chapeau sec et marqué de plaques plus foncées. Ce champignon est peu courant. Il se développe généralement en petites troupes de quelques individus, ça et là. Vous remarquez qu'en froissant les lames, le lait s'écoule assez rapidement. Donné comme non comestible dû à sa saveur âcre, le rendant donc impropre à la consommation. Le film est un peu sombre, la raison est simple. Il est 17h. Le temps est assez couvert
Difficile de faire mieux avec mon appareil photo. Désolé. Voici ces sports.